Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1798 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 22 avril. Pas d'anniversaire aujourd'hui, on va parler directement d'une grosse info. Ça concerne l'équipe de Manchester United qui change d'entraîneur et c'est officiel. On en parlait depuis quelques jours, c'est officiel maintenant. C'est Erik ten Hag qui sera le nouvel entraîneur de Manchester United à partir de la saison prochaine 2022-2023. Donc toujours sous contrat du côté de l'Ajax, mais dès que la saison est finie, ça sera lui le futur entraîneur des Red Devils. Donc contrat jusqu'en 2025. Plus une année en option pour le coach néerlandais. Donc Manchester a levé sa clause de 2 millions d'euros auprès de l'Ajax. Donc voilà, Ralf Rangnick, hein, on savait que c'était l'entraîneur par intérim du côté de Manchester United. Donc il y avait quelques noms qui avaient circulé. Pochettino, le coach du PSG, et surtout Erik ten Hag, et c'est bien lui, le nouveau coach de Manchester. Il aura pour objectif de relever cette équipe, parce qu'on sait que Manchester United actuellement, voilà, ça va pas fort. Par exemple, cette fessée qu'ils ont pris il y a quelques jours, 4-0 contre l'équipe de Liverpool. Donc voilà le gros défi pour le coach néerlandais. Et on peut voir sinon son palmarès du côté de l'Ajax. Donc deux fois le championnat des Pays-Bas obtenu, peut-être une troisième fois là dans quelques jours, vu que l'Ajax est actuellement leader du championnat hollandais. Deux coupes des Pays-Bas, une super coupe des Pays-Bas en tout, ces 210 matchs qu'il a coaché cette équipe de l'Ajax pour 156 victoires, 25 matchs nuls, 29 défaites. Prochain arrêt Manchester, en gros c'est son prochain défi, peut-être le plus gros club qu'il entraînera dans sa carrière. Donc bonne chance à lui. Erik ten Hag a tiré le meilleur parti de ses talents, les gars. Donc des cracks comme Denis Van de Beek, ancien joueur de l'Ajax, maintenant un joueur de Everton. C'est vrai que depuis son départ de l'Ajax, c'est plus le même joueur. Bref, il avait fait 110 matchs, 32 buts, 29 passes dé, voilà pour Van de Beek du côté de l'Ajax. Sous bien sûr Erik ten Hag en tant que coach, on peut voir aussi les stats d'Hakim Ziyech, le joueur marocain du côté de l'Ajax, sous bien sûr comment dire, Erik ten Hag quand c'était le coach, 100 matchs, 35 buts, 53 passes dé. La même chose pour Dusan Tadic, lui a de grandes chances aussi qu'il quitte cette équipe, vraiment ce genre sous côté 189 matchs pour le Serbe, 91 buts, c'est énorme. En plus, on peut rajouter 89 passes décisives, des stats énormes pour le milieu Dusan Tadic. Et Sébastien Haller, les gars, qu'il a eu sous ses ordres cette saison. Donc 61 matchs, 46 buts et 16 passes décisives. Donc voilà tous les cracks qu'il a réussi à faire percer, en gros, ce coach néerlandais. Erik ten Hag a mené l'Ajax sur une course héroïque vers les demi-finales de la Ligue des Champions 2018-2019. Il est le dernier à passer un nouveau défi. Donc en gros, regardez cette équipe de l'Ajax Amsterdam lors de la magnifique épopée. Bon, après, ils avaient perdu en demi-finale contre l'équipe de Tottenham. On peut voir le 11, en gros, le 11 type de cette saison. Donc il y en a beaucoup qui ont quitté le club, comme Frankie de Jong, comme Hakim Ziyech maintenant, joueur de l'équipe de Chelsea, ou même Dolberg maintenant, attaquant du côté de Nice. Erik ten Hag a dit: je connais l'histoire de ce grand club et la passion des fans et je suis absolument déterminé à développer une équipe capable de livrer le succès qu'il mérite, essayer déjà d'accrocher au moins la Ligue des Champions, parce que c'est même pas sûr qui joue déjà l'Europa League. Alors la Ligue des Champions, il faut encore moins y penser du côté de Manchester United. Donc déjà essayer de retrouver au moins une place à chaque fois pour jouer la future Ligue des Champions, puis après pourquoi pas essayer d'aller titiller Manchester City et comment dire Liverpool. Mais bon, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour cette équipe de Manchester qui est quand même sacrément limité. Et changement du derby de Manchester, parce que Pep Guardiola et Erik ten Hag avant étaient ensemble du côté du Bayern Munich, et du coup ils vont se retrouver l'un contre l'autre lors des derbys entre Manchester United et Manchester City. On va parler toujours de Manchester United et peut-être d'un joueur qui sera dans son équipe l'année prochaine. On ne sait toujours pas l'avenir de Cristiano Ronaldo. Et le message de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sur Instagram, on peut voir qu'il a mis ça, vous savez, après la tragédie qu'il a subie ces derniers jours. C'est bien chez soi. Donc Georgina et notre petite fille sont enfin ensemble avec nous. Nous tenons à remercier tout le monde pour tous les mots et gestes gentils. Votre soutien est très important et nous avons tous ressenti l'amour et le respect que vous avez pour notre famille. Maintenant, il est temps d'être reconnaissant pour la vie que nous venons d'accueillir dans ce monde. Donc voilà la photo tout simplement de Cristiano Ronaldo. On peut voir le nouveau-né, voilà la fille de Cristiano Ronaldo dans les bras de son papa. Donc voilà le message de Cristiano Ronaldo après les moments durs qu'il a vécu ces derniers jours. Il était bien évidemment à l'entraînement parce que Manchester United joue un match très important ce week-end contre l'équipe de Arsenal en championnat. Et voilà les photos de CR7 bien sûr à l'entraînement qui prépare ce match contre les Gunners. Et Ronaldo, sur l'hommage rendu par les supporters de Liverpool, vous savez, à la 7e minute, il y a eu une minute d'applaudissement par rapport à ce qui s'est passé pour Ronaldo. Donc il a mis sur son compte Instagram: un seul monde, un seul sport, une seule famille mondiale, merci Anfield. Moi et ma famille n'oublierons jamais ce moment de respect et de compassion, bien sûr, par rapport à ce magnifique geste des supporters de Liverpool. On revient les gars sur Manchester United, on va parler d'Harry Maguire, beaucoup critiqué du côté de Manchester depuis son arrivée. N'oubliez pas que c'est défenseur le plus cher quand même de l'histoire du football. Bon bref, Harry Maguire et
sa famille ont reçu une alerte à la bombe à leur domicile au cours des dernières 24 heures. Donc c'était la journée d'hier, un jeudi. Donc il a reçu une alerte à la bombe. Donc du coup, la police a envoyé des chiens sur place et la menace a été prise très au sérieux. Donc voilà, bon après c'était du fake, hein, c'était pas vrai. Mais bon, on peut voir qu'il est encore ciblé en gros Harry Maguire. Hein, du côté de l'Angleterre, et Harry Maguire, les gars, par rapport à son niveau, il dit que lui c'est plutôt logique. Hein, voilà, qu'il joue dans le 11. Il a dit, je ne jouerai pas tous les matchs avec Manchester. Si je jouais mal, il y a une raison pour laquelle les entraîneurs de Manchester m'ont mis dans le 11 de départ à chaque match. En gros, ben, qu'il est bon, tout simplement. Enfin, lui se trouve bon. Après, on sait que c'est plutôt limité. Rien contre Liverpool, je vous ai montré son positionnement. T'as pas le droit d'être positionné comme ça quand tu joues quand même dans une équipe comme Manchester United. Et surtout, quand on voit le montant quand même du transfert, c'est surtout ça, je pense, hein, qui lui pose préjudice. Hein. C'est surtout que c'est le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Il est très, très moyen. Et du côté de Manchester United, donc Ralf Rangnick l'avait dit il y a quelques jours, il va y avoir beaucoup de départs, beaucoup de mouvements. Et les joueurs suivants sont invités à quitter Manchester United cet été, d'après le journal The Sun. Paul Pogba, il y a de grandes chances qu'il quitte le club. Lingard, Cavani, Matic, Mata, Grant, Phil Jones, Alex Telles, Wan-Bissaka, Bailly, Rashford et Anthony Martial. Regardez cette longue liste de joueurs. Hein. Donc en gros, Manchester veut rebâtir une nouvelle équipe. En gros, tous les joueurs là, ça date. Hein. Il y a pas mal de joueurs, ça fait 3-4 ans qu'ils sont là. Ils vont normalement, il y a beaucoup qui vont partir, bien sûr. Et voilà, Manchester va vouloir essayer de rebâtir quelque chose, hein, pour essayer, bien sûr, d'être plus performant en Angleterre. Et toujours avec le championnat anglais officiel, donc 8 joueurs intègrent le Hall of Fame de la Premier League en 2022. Donc en gros, c'est des légendes dans le championnat anglais. On peut voir Aguero, Scholes, Drogba, Kompany, Schmeichel, White, Rooney et Patrick Vieira, le joueur français. On prend la direction de la France, on va parler de la Coupe de France et c'est officiel, le FC Nantes annonce avoir vendu l'intégralité des 20 000 places qui étaient réservées à ses supporters pour assister à la finale de la Coupe de France face à Nice le 7 mai prochain. Donc Nantes avait 20 000 places, Nice 20 000 places et le reste est pour le public. Et du coup Nantes a déjà vendu tous ses billets, voilà, pour être dans le parcage nantais bien sûr, hein, au Stade de France pour cette finale de Coupe de France prévue là le 7 mai, on est le 22 avril, donc d'ici 3 semaines bien sûr ça sera cette finale, on en reparle. Alors, d'ici là, et officiel, les gars, une grosse info concernant cette finale. Donc, Stéphanie Frappard sera au sifflet de la finale de la Coupe de France qui verra s'opposer Nice au FC Nantes le 7 mai prochain. Elle devient la première femme arbitrée à ce niveau de la compétition. Donc voilà, ce sera Stéphanie Frappard, la meilleure arbitre au monde, hein, en fille, hein, c'est la meilleure. Donc elle va arbitrer cette finale de Coupe de France. C'était jamais arrivé dans le passé qu'une fille arbitre une finale de Coupe de France. Donc la première, hein, c'est dans quelques semaines. Et Jérôme Rotten, hein, sur la nomination de Frappard, il a dit « Mon Dieu, pauvre football, pauvre FFF, donc Fédération Française de Football, mais c'est quoi son mérite de faire des conneries à tous les matchs, j'ai une grosse pensée pour les autres arbitres, sérieusement, et j'ai le sentiment qu'ils pensent comme moi. » Donc voilà ce qu'il a mis sur Twitter, hein. Donc il comprend pas tout simplement pourquoi c'est elle, alors que souvent, enfin de temps en temps, l'arbitre a des matchs de Ligue 1, puis elle est pas super bonne, on va dire, hein, niveau arbitrage, et pourquoi c'est elle qui arbitre cette finale, voilà ce que dit, hein, Jérôme Rotten. Et toujours avec cette Coupe de France, donc la FFF n'est pas satisfaite des montants proposés lors de l'appel d'offres des droits TV de la Coupe de France. Amazon, l'équipe et Eurosport se sont positionnés pour l'instant pour diffuser la future saison de Coupe de France. On va parler de l'Olympique de Marseille. Je vous avais annoncé que Marseille, les gars, lors du match retour, hein, contre le Feyenoord de Rotterdam, le virage nord, donc derrière les buts, c'était fermé. Et du coup, changement, l'OM pourra finalement accueillir 6500 enfants dans le virage nord, initialement fermé par l'UEFA pour la réception de Feyenoord. Donc en gros, ça sera des enfants invités par le club, tout ça. Donc au moins, cette tribune ne sera pas à huis clos. Il y aura quand même du public, ça sera des enfants, ça sera pas les ultras du côté, bien sûr, de l'OM. Donc bien sûr, ça, c'est une très bonne nouvelle, hein, pour l'équipe marseillaise. Toujours avec l'OM, on sait qu'actuellement, hein, c'est l'une des meilleures équipes en France, peut-être en Europe, hein, parce que les stats le disent. Donc l'OM a remporté 9 de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc le seul accro, ben, ça a été contre le Paris Saint-Germain dimanche dernier. Toujours avec l'OM, on va parler de Dimitri Payet. Regardez ses magnifiques stats cette saison. 42 matchs, 16 buts et 12 passes décisives. Là, c'est toutes compétitions confondues, hein. Des très belles stats, hein, pour le joueur Payet. Et on va parler de Valentin Rongier, a disputé, donc c'était avant-hier, hein, son 100e match sous les couleurs de l'OM, en plus contre son ancien club, l'équipe de Nantes. On va parler de Liénard avant OM Strasbourg. Vous savez que OM, enfin l'Olympique de Marseille, 2e Strasbourg, je crois, sont 3 ou 4e, juste derrière, hein, l'équipe de l'OM. Et bref, c'est un gros match, hein, c'est l'un des derniers matchs de l'OM au Vélodrome cette saison. On va se battre jusqu'à la fin et je pense que le match à Marseille sera décisif si on continue comme ça. Ce qu'on veut, c'est jouer au Vélodrome devant 60 000 personnes.
personnes comme un OMPG quand le stade est en feu. On vit pour ces matchs-là, voilà ce qu'il dit. Lienard, les gars, que vraiment il attend une énorme ambiance, bien sûr, pour ce gros match, hein, parce que l'OM, les gars, voilà, on sait que ça performe en Ligue 1. Mais Strasbourg, faut pas les sous-estimer, les gars, peut-être l'équipe la plus sous-estimée, cette équipe de Strasbourg. Donc Julien Stéphan, il a dit, je ne veux pas fixer de limite à mes joueurs. Nous, on veut juste jouer au foot, on ne pense pas au classement. Il faut savourer ces moments-là, parce qu'en gros, ben, Strasbourg peut potentiellement essayer de viser une place sur le podium. Et potentiellement en Ligue des Champions, saison prochaine. Regardez, hein, Strasbourg, les gars, sur 11 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1, aucune équipe ne fait mieux dans le championnat. L'équipe la plus sous-cotée de cette saison dans le championnat français. On va parler de Boubacar Camara. Donc j'avais dit qu'il allait certainement choisir le Sénégal. Et en gros, donc Camara pourra recevoir deux convocations en juin prochain. Soit l'équipe de France, certainement espoir, soit l'équipe sénégalaise A, ça sera lui de trancher. Et d'après les dernières infos, il devrait certainement jouer avec le Sénégal et peut-être même jouer la Coupe du Monde avec les Lions de la Taranga, dans quelques mois, bien sûr, au Qatar. On va parler de Mohamed Bayo, donc l'international guinéen, les gars, 23 ans, l'attaquant de Clermont, il fait une magnifique saison, hein, 27 matchs, 11 buts et 3 passes décisives. C'est lui qui a été buteur lors du dernier match contre Troyes, une victoire très importante de l'optique du maintien. Des très belles stats, hein, pour ce joueur qui évoluait, n'oubliez pas, la saison dernière dans le championnat de Ligue 2. Sauf Sofiane Diop a joué, c'était contre Nice, c'était avant-hier, hein, son centième match en faveur de l'AS Monaco, hein, félicitations. Au milieu monégasque, on peut voir l'équipe type, les gars, de cette, je crois que c'était la 33e journée de Ligue 1, voilà tous les meilleurs joueurs. On peut voir par exemple Ayork, l'attaquant de Strasbourg, lui aussi un attaquant sous-côté, Di Maria avec ses deux passes, des paillettes avec ses deux buts, ou je sais pas, Tchouaméni, ou même, tiens, Sergio Ramos, buteur, les gars, c'est la première fois qu'il figure dans l'équipe type cette saison, le défenseur espagnol. Une déclaration de Keylor Navas, je veux jouer tous les matchs et au final c'est une situation comme cette année, ça sera compliqué, on verra ce qu'il se passera, mais il faut que ça change d'une manière ou d'une autre. Donc en gros, il en a marre tout simplement de sa situation, Keylor Navas, soit il reste au PSG, c'est le gardien numéro 1, soit il quitte le PSG parce qu'il ne veut pas être, jouer un match sur deux avec Donnarumma, tout ça. Il en a marre, les gars, il veut que ça change. Et Pochettino annonce que la gestion des gardiens sera différente à l'avenir. Il a dit, il n'y a pas un autre club qui soit dans la même situation avec deux gardiens numéro 1 de cette envergure. La cohabitation et la concurrence entre les deux ont été bonnes. L'avenir sera différent. Donc en gros, il dit que dans le futur, bon, je ne sais pas si ce sera lui le coach, mais voilà, qu'il y aura un gardien et l'autre sera, voilà, vraiment le gardien remplaçant. Il jouera peut-être quelques matchs, voilà, de Coupe de France, mais vraiment le gardien numéro 1 gaulera vraiment tous les matchs, les gros matchs cette saison, et pas, voilà, qu'un match sur deux à chaque fois comme l'a fait Pochettino avec Navas et Donnarumma. Et toujours avec Donnarumma et Navas, donc Donnarumma devrait être conservé au PSG cet été, ce qui générerait tout simplement un départ de Keylor Navas, hein, vu que j'ai dit une déclaration de lui juste avant, qui a laissé sous-entendre, hein, plusieurs fois qu'il partirait si rien ne changeait au club. Donc en gros, le PSG préfère conserver Donnarumma que Keylor Navas. Après, c'est vrai qu'il est beaucoup plus jeune. Moi, je pense le mieux, je vais vous dire, hein, c'est que le PSG conserve les deux. Et il conserve pour la saison prochaine Keylor Navas en tant que gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain, et il prête Donnarumma pendant une ou deux saisons. Puis après, voilà, Navas dans deux ans, il quitte le club, et Donnarumma revient dans deux ans, comme ça il pourra jouer dans une autre équipe bien sûr, et cette fois-ci il deviendra le gardien numéro 1 du PSG. Bon, après bien sûr, hein, le Paris Saint-Germain ne fera pas ce que je dis. Léo Messi, les gars, pourrait finalement être dans le groupe parisien pour la réception de Lens demain. Vous savez que le PSG reçoit l'équipe de Lens. Pour rappel, l'Argentin souffre d'une inflammation du tendon d'Achille gauche. D'après le Parisien, devrait être apte tout simplement Léo Messi, hein, lui qui était forfait contre l'équipe de Angers en milieu de semaine. Verratti et Kimpembe sont incertains, eux, pour PSG Lens demain. Bon, une petite info concernant ces deux-là. Et Pochettino va aligner ses stars ce week-end afin de sécuriser le titre de champion. Il veut être champion devant son public, voilà, devant le Parc des Princes, le public parisien. Donc normalement, Messi, j'ai dit, hein, normalement il sera dans le groupe. Mbappé, pas blessé, il va jouer. Et Neymar, qui était suspendu lors du dernier match, donc lui aussi sera dans le groupe. Donc normalement, les trois seront titulaires contre l'équipe de Lens demain soir. Et concernant Neymar, il est à deux buts de devenir le deuxième joueur à marquer plus de 100 buts avec trois clubs différents au XXIe siècle après Ronaldo. Donc incroyable, bien sûr, hein, les stats de Neymar. On va parler de Mauro Icardi. Wanda Nara, la femme de Mauro Icardi, ne serait finalement pas son agent. C'est incroyable, hein. Elle ne jouerait aucun rôle dans les questions purement sportives. C'est en tout cas ce qu'affirme Mariana Bray, une journaliste pour un journal tout simplement argentin. Donc voilà, en gros, ce serait même pas elle l'agent de Mauro Icardi. Pourtant, on pensait toujours, hein, que Wanda Nara, c'était l'agent de son mari, Mauro. Donc d'après les dernières infos, non. Donc voilà une grosse info encore surprenante, hein, sur le joueur argentin.
On va parler des syndicats des journalistes sportifs taclent le PSG et s'alarment sur son attitude. Aucun joueur n'est venu en zone mixte depuis deux matchs, hein, contre l'OM et contre Angers. Donc normalement, voilà, les journalistes à la fin du match attendent bien sûr, hein, les joueurs qui passent dans les couloirs pour leur poser des questions. Et là, quand ça sera, enfin, contre l'OM et contre Angers, aucun joueur du Paris Saint-Germain s'est arrêté pour répondre aux questions des journalistes. Et bien sûr, l'UJSF, donc le syndicat des journalistes sportifs, hein, bien sûr, n'aime pas ça, bien sûr, parce qu'ils aimeraient questionner les joueurs parisiens. Et en France, le nombre de cambriolages chez les footballeurs est en augmentation, 13 en 2020, 21 en 2021. Depuis début 2022, 7 footballeurs ont déjà été cambriolés. Des gangs se seraient spécialisés dans ce type de cambriolage, d'après le Figaro. Une photo de Marquinhos, hein, parce qu'à l'époque, c'était fait cambrioler du côté de Paris. On va parler de Kylian Mbappé. Donc Mbappé, lors du dernier match, hein, contre Angers, on peut voir ces trois jeunes fans de Angers en train de regarder, bien sûr, le joueur français. Et on va parler du petit frère, tout simplement, de Kylian. Donc Ethan Mbappé, le petit frère de l'attaquant du PSG, est actuellement à Doha. Cela veut dire que la famille est au Qatar. Donc, comment dire, son petit frère, sa maman et son papa, Kylian Mbappé, sont au Qatar. Parce que Doha, voilà, c'est au Qatar. Que font, bien sûr, hein, la famille Mbappé, à part Kylian, hein, qu'est-ce qu'ils font au Qatar? Donc la mère de Kylian, donc la Marie, est à Doha. Le PSG est optimiste et la vérité est que cette visite pourrait être la clé pour conclure un accord de renouvellement, d'après le journal Marca, bien sûr, c'est eux qui disent ça. L'objectif du club est de pouvoir le prolonger de deux saisons supplémentaires. Donc voilà, d'après les dernières infos, pourquoi par exemple la maman de Kylian Mbappé, ou même son père, hein, je pense son père n'est pas cité, mais doit y être aussi, donc sont du côté de Doha pour parler de l'avenir de son fils, peut-être du côté du PSG. N'oubliez pas que le PSG aimerait prolonger Kylian de deux saisons supplémentaires. On va parler de des autres infos transferts avec un ancien Parisien. C'est Christopher Nkunku, le président de Leipzig. Il a dit « Personne n'est invendable dans le football, mais je l'ai dit à plusieurs reprises, Nkunku sera à nouveau notre joueur la saison prochaine. » Donc voilà, Nkunku devrait rester joueur du RB Leipzig saison prochaine. On va parler d'un ancien Parisien également. C'est Tanguy Kouassi. Le Bayern réfléchira à l'idée de prêter Tanguy Kouassi, 19 ans, la saison prochaine. L'ancien Parisien a participé à 20 matchs cette saison pour 788 minutes jouées. C'est très peu, hein, voilà, c'est 90, donc il a disputé très peu de matchs, hein, bien sûr. Donc voilà, il y a pas mal de clubs, hein, qui sont intéressés, parce que selon Foot Mercato, une dizaine de clubs français, dont deux gens, le haut de tableau, sont intéressés par cette opportunité de faire venir Tanguy Kouassi de nouveau dans le championnat français. On va parler de Thomas Müller, a déclaré qu'il restera au Bayern après sa carrière. Il devrait prolonger là son contrat jusqu'en 2025. Un poste au sein du club lui sera proposé. Donc fidélité, bien sûr, pour Thomas Müller. Je ne sais pas, il aura quel poste après pour son futur, hein, du côté du Bayern, mais pourrait, voilà, rester toute sa carrière, même finir sa carrière, hein, du côté du club bavarois. L'Inter Milan pense au jeune Khéphren Thuram pour renforcer son milieu de terrain. Ce jeune joueur, hein, du côté de l'OGC Nice. Notre info transfert, les gars, Marcus Rashford, que j'ai montré tout à l'heure, hein, dans la liste des joueurs qui devaient quitter le club de Manchester, pour être vendu au FC Barcelone cet été. Les Catalans avaient déjà noué le contact avec le joueur dans le passé. Donc voilà, Rashford peut-être une piste, hein, du côté du FC Barcelone. Les autres infos transfert, un autre joueur de Manchester, lui aussi, hein, qui devrait quitter le club, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Eric Bailly. Et après avoir essayé de se faire prêter Eric Bailly, donc 28 ans, Manchester cet hiver, Pablo Longoria va tenter de revenir à la charge cet été. L'OM aura de la concurrence puisque l'Ivoirien dispose de plusieurs offres en provenance d'Italie. Donc voilà, une petite info aussi sur Eric Bailly, les gars. Il pourrait peut-être aller du côté de Marseille et ça peut être une belle piste pour lui, surtout si Marseille, les gars, se qualifie en Ligue des Champions. Marseille, hein, pourra certainement recruter de grands joueurs. Milik, les gars, toujours avec Marseille, hein, sur Lewandowski, c'est incroyable. Les deux, ce Polonais, l'a dit, ça va être très compliqué, mais il ne lui reste qu'un an de contrat. Je vais essayer de lui parler pour lui demander s'il peut venir à Marseille. Je vais réussir peut-être à faire quelque chose. Bon, après, on se doute, voilà, que ça sera très compliqué, hein, pour Milik ou même pour l'OM de s'offrir Robert Lewandowski, hein. Il est plus annoncé quand même du côté du Barça que du côté de Marseille. Mais voilà, comment dire, Milik va essayer de toucher quelques mots à Lewandowski, hein. Mais bon, je pense pas que l'attaquant Robert Lewandowski viendra du côté de Marseille. L'AC Milan est intéressé par Romelu Lukaku. Le club lombard pourrait effectuer une offre en cas de rachat du club. Donc on sait que c'était l'Inter, les gars. Enfin, le joueur, lui, voulait retourner du côté de l'Inter. On peut voir que l'autre Milan, donc l'AC Milan, s'intéresse à Romelu Lukaku. Des infos concernant Luis Suarez, demande 6 millions d'euros par an à Fenerbahçe pour signer avec le club turc la saison prochaine. Les négociations se poursuivent avec l'attaquant uruguayen, d'après Photomac, donc c'est un journal sportif turc. Donc Luis Suarez
en fin de contrat en fin de saison avec l'équipe de l'Atlético, ben voilà, il pourrait continuer à jouer en Europe. Donc il demande comme un gros salaire du côté du Fener, à voir si l'équipe turque va accepter ou non. On va parler de Morata. Arsenal aurait fait une offre aux alentours de 30 millions d'euros pour Alvaro Morata, donc joueur de l'Atlético prêté actuellement du côté de la Juve. Le Barça le voulait l'hiver dernier du coup, mais ils ont fait Aubameyang et du coup c'est Arsenal maintenant qui aurait des vues sur l'attaquant espagnol. On va parler de Mesut Özil, serait sur les tablettes du Los Angeles FC. Le joueur est libre depuis son éviction du Fenerbahçe fin mars. J'en avais parlé, les gars, qui jouait plus avec l'équipe première vu qu'il avait enfin des problèmes physiques et problèmes avec l'entraîneur, tout ça. Du coup, bah, il va quitter le club en fin de saison. On peut voir qu'il pourrait aller en MLS. Concernant Raheem Sterling, donc en cas de rachat du club, hein, vous savez que l'AC Milan pourrait se faire racheter là dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Donc Sterling pourrait être une possible recrue du côté de l'AC Milan. On a parlé de Lukaku et pourquoi pas l'attaquant de Manchester City. Hein, ça serait énorme bien sûr de faire venir un Raheem Sterling. Le Borussia Dortmund a obtenu l'accord du clan ADMI pour cet été, joueur de Salzbourg, et devrait normalement aller du côté du Borussia Dortmund. C'est Fabrizio Romano, les gars, qui valide ça. Donc voilà, c'est quasiment sûr. Hein, ADMI du côté du BVB. Officiel, Marcus Thuram met fin à son association avec l'agent Mino Raiola. Il rejoint l'agent Sport Cover qui a annoncé la nouvelle sur Instagram. Donc voilà, il a changé tout simplement d'agent. Donc peut-être pour un futur transfert, hein, pour le fils de Lilian Thuram. Guimarães, les gars, sur Paqueta. Donc les deux anciens joueurs de Lyon, donc un joue toujours à Lyon, l'autre joue du côté de Newcastle. Ah, Lucas Paqueta, c'est mon frère, mon meilleur ami, et je m'entends vraiment bien avec lui. C'est un membre de la famille que le football m'a donné. Hein. Donc voilà, l'immense respect, l'immense, on va dire, en message d'amour, en gros, de Guimarães, hein, sur Lucas Paqueta, son grand copain. On va parler de Lewis Hamilton et Serena Williams, donc une championne de tennis et bien sûr un pilote de Formule 1, sont prêts à rejoindre le projet de rachat de Chelsea initié par l'homme d'affaires anglais Sir Martin Brookton. Les deux légendes de leur discipline sont prêts à investir environ 12 millions d'euros chacun pour avoir des parts tout simplement dans le rachat de Chelsea. Vous savez que Chelsea est à vendre, Roman Abramovich a vendu le club. Et là, normalement, ça devrait enfin être le dénouement, voilà, de qui va acheter bien sûr cette équipe des Blues. Et voilà, ces deux immenses stars, les gars, pour avoir des parts dans l'équipe de Chelsea. Comme en 2017, l'Argentine et le Brésil s'affronteront à Melbourne le 11 juin prochain, donc c'est en, comment dire, en Australie. Les deux fédérations récupéreront plus de 1,3 million d'euros chacune, bien vu que ce sera un match de gala, un match amical, donc bien sûr ce sera le jackpot pour la sélection brésilienne et la sélection argentine. Le Maroc, j'en avais parlé il y a quelques jours, c'était toujours pas officiel, cette fois-ci c'est bien officiel, le Maroc affrontera les États-Unis en match amical le 1er juin prochain à Cincinnati, du côté du sol américain. Donc voilà, un USA-Maroc, un match inédit, je ne sais pas s'il a déjà eu lieu dans l'histoire du football, hein, cette rencontre. New Balance vient de dévoiler un nouveau coloris pour sa 442, donc peut-être 442, hein, je ne sais pas. Bref, voilà les nouveaux crampons de New Balance, les gars. Magnifique paire de crampons de couleur noire avec, le bout des crampons tout en bas, couleur rouge. Hein, vraiment des magnifiques paires de chaussures. On va parler de Parme qui va devoir verser 15 000 euros à Werner pour avoir utilisé le logo Superman lors de l'annonce du retour de Buffon l'été dernier sans autorisation du studio américain. Du coup, Warner Bros. Hein, donc ils ont porté plainte contre l'équipe de Parme d'avoir utiliser leur logo de Superman, et du coup Parme va devoir débourser plus de 15 000 euros de préjudice. Donc voilà, tout simplement, hein, donc coup dur, hein, comme pour l'équipe de Parme, hein, 15 000 euros, c'est une sacrée somme. L'enfant de Sarcelles est revenu à la maison, c'est Riyad Mahrez, je crois que c'était en début de semaine, je crois que c'était lundi. Donc il est venu du côté de Sarcelles, où il est né bien sûr, hein, dans la banlieue parisienne. Il est parti voir les jeunes, hein, de l'école de foot, hein, du côté de Sarcelles, hein, bien sûr, pour la légende Riyad Mahrez. On va parler de Florian Thauvin, quelques déclarations de Florian Thauvin. Tout d'abord, sur son départ libre de l'OM, il a dit « J'ai été à deux doigts de prolonger Pablo Longoria, tout fait, et je le remercie encore, il aurait mérité que je prolonge, vu son investissement, mais j'avais fait le tour du côté de Marseille. » C'est pour ça qu'il voulait tenter quelque chose ailleurs, c'est pour ça qu'il a pris la direction, même pas d'un club en Europe, direction le Mexique. Il revient aussi sur les Jeux Olympiques qu'il a joués, et les Mexicains, pour eux, une sélection ne se refuse pas. C'est une fierté de représenter son pays, presque une obligation. Ce n'est pas ce qu'ont fait les clubs français en retenant des joueurs, ce qui a été un scandale. Hein. Vous vous souvenez, voilà, il y avait pas mal de joueurs normalement qui devaient jouer avec l'équipe de France Esport. Hein. Voilà, ces JO, il y en a plein de clubs qui ont refusé tout simplement que les joueurs aillent disputer ces Jeux Olympiques. Donc voilà ce qu'il dit, hein, bien sûr, par rapport aux clubs français, aux autres clubs, hein, par exemple les clubs mexicains. Il dit aussi, en tant que je jouerai, je penserai à l'équipe de France, je ne tirerai jamais un trait sur les bleus, je ressens encore toutes les pré-convocations. J'ai eu la chance d'être deux fois champion du monde, mon attachement à ce maillot est terrible. Hein, donc voilà ce qu'il dit, hein, bien sûr, il est toujours
Lui, si Deschamps l'appelle, il sera disponible. Après, c'est compliqué, bien sûr, parce vu que maintenant il joue au Mexique, on ne suit plus trop ses résultats. Et bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué pour lui maintenant d'intégrer le groupe France. Toujours avec Thauvin, il y a un mois, j'ai vu un reportage, une famille a appelé son petit garçon Florian, mais je n'ai pas encore de tacos à mon nom comme Dédé ou des fans qui se tatouent mon visage sur le corps comme lui. Donc voilà ce qu'il dit par rapport à Thauvin, comment dire, et surtout Gignac, qui est une légende totale du côté du Mexique. Il y en a, enfin il y a des tacos, où le tacos s'appelle Gignac, tout simplement, au Mexique, ou même des gens qui tatouent le visage de Gignac sur leur propre corps. Incroyable, bien sûr. Et toujours avec Thauvin sur Gignac, les Français n'ont pas conscience de ce que représente Gignac à Monterrey, mais aussi à travers tout le Mexique. C'est le meilleur ambassadeur de France. Les gens sont fous de lui. Il laissera une grande trace et ce n'est pas fini. Donc voilà, en gros, ce que représente tout simplement André-Pierre Gignac maintenant du côté du championnat mexicain. Thomas Tuchel, les gars. Voilà ses excuses par rapport à cette correction qu'il a pris 4-2 il y a quelques jours contre Arsenal. On a eu un terrain vraiment, vraiment difficile face à Arsenal. Ça n'a pas joué en notre faveur. Donc en gros, j'ai pas vu le match. Je sais pas si la pelouse était bonne ou non. Mais d'après lui, elle n'était pas bonne. Et c'est pour ça en gros que son équipe s'est inclinée, d'après Thomas Tuchel. Donc l'excuse un peu bidon quand même pour le joueur. Parce que ça n'a pas été bonne pour Chelsea. Elle n'a pas été bonne non plus pour Arsenal. La pelouse de Stamford Bridge. Arteta, les gars, à propos d'Eddie Nketiah, je vais montrer une déclaration hier. Et parce qu'en tant que manager, j'ai raté quelque chose où je n'ai pas eu le courage de le faire jouer plus. Et aujourd'hui, il m'a montré encore une fois à quel point j'avais tort. Parce qu'en gros, je vous dis rapidement ce qu'il avait dit à Nketiah, qui ne comprenait pas pourquoi lui, enfin il connaissait des jeunes joueurs qui jouaient avec lui avant, mais qui jouaient beaucoup plus que lui, alors que lui, du côté d'Arsenal, jouait très très peu. Et du coup, là, il l'a fait jouer contre Chelsea. Et il a marqué un doublé. Donc voilà ce qu'a dit Arteta, bien sûr, à propos de Nketiah. On va parler de Ronaldinho, le documentaire sur R10, la légende brésilienne, est disponible sur la plateforme FIFA Plus gratuitement. Vous savez, j'en ai parlé il y a quelques jours qu'il y avait une nouvelle appli sur téléphone FIFA Plus. Donc il y a plein de documentaires sur le foot. Donc il y a un documentaire maintenant sur Ronaldinho, voilà, pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. On va parler du Barça. Un supporter du Barça a réussi à revendre jusqu'à 2000 billets à des supporters allemands. Le club mène une enquête approfondie et n'exclut pas de porter plainte contre ce supporter du Barça qui a vendu beaucoup de billets lors de ce match à Francfort, enfin Barça-Francfort, vu que c'était au Camp Nou, mais c'était comme si c'était à Francfort le match, vu que tellement il y avait des supporters allemands du côté du Camp Nou. Du coup, il y a un supporter quand même qui a vendu plus de 2000 billets aux Allemands, et bien sûr, ça passe pas du tout du côté de Barcelone. On va parler de Manchester. Deux recruteurs historiques de Manchester ont pris la décision de quitter le club. C'est trop pour eux. Ils préfèrent quitter le club. Bon, j'ai pas les noms, on les connaît pas, bien sûr. Voilà une info de plus sur cette équipe des Red Devils. Et Liverpool-Manchester, vous savez que Liverpool à 3 classes d'écart avec Manchester United. Mais regardez les gars, les dépenses de Manchester United par rapport par exemple à Liverpool 2016-2017. Chaque saison, on peut voir les montants à chaque fois investis sur les mercato. Et on peut voir bien sûr que Manchester a beaucoup plus investi que Liverpool. Et Liverpool est actuellement 10 fois meilleur que Manchester United. Et on peut voir voilà, chaque saison, donc depuis 2016-2017 jusqu'à la dernière saison. Donc à chaque fois, les joueurs, par exemple, en 2016-2017, Liverpool avait fait Sadio Mané pour 45 millions d'euros, alors que comment dire, Manchester United avait recruté Paul Pogba 115 millions d'euros. Mané, je pense, a été meilleur sur l'ensemble de sa carrière du côté de Liverpool que Paul Pogba l'a été du côté de Manchester. On peut voir aussi en 2017-2018 les gros transferts, comme Salah, 46 millions d'euros. Enfin, c'est des dollars, donc c'est un peu plus ou un petit peu moins en euros. Bref, on peut voir Lukaku, 93 millions de dollars côté Manchester United. Donc on peut voir voilà chaque mercato, bien sûr que Manchester a souvent pris des douilles. On peut voir la Rimaguire, 95 millions de dollars bien sûr en 2019-2020. Donc voilà, mais bon, on peut voir bien sûr que sur le terrain, c'est pas l'équipe qui a le plus recruté, enfin niveau argent, qui est la meilleure bien sûr, parce que Liverpool actuellement est largement supérieur au Red Devil. On va parler de Ronald Koeman en tant que joueur, n'oubliez pas, l'ancien coach Blaugrana. C'est un ancien joueur, ancien défenseur. Il était vraiment défenseur buteur. Le défenseur qui a inscrit le plus de buts dans l'histoire du football, c'est lui. Deux fois vainqueur de la Ligue des Champions, Ronald Koeman est le meilleur buteur de la Ligue des Champions 93-94. C'est incroyable. Il a terminé meilleur buteur, tout poste confondu. Pourtant, c'est un défenseur. Il a marqué plus de buts que les milieux ou même les attaquants. Donc, incroyable, bien sûr, ce défenseur. Une photo de Robert Lewandowski, les gars, en mode look tranquille pour peut-être le futur joueur du FC Barcelone. On va parler de Tammy Abraham, a reçu son trophée de joueur du mois 2 mars. L'attaquant anglais réalise une grande saison en championnat. N'oubliez pas ses stats, 15 buts et 4 passes D pour l'attaquant de l'AS Roma.
La Ligue 2, donc la LFP, il y a une journée ce soir de Ligue 2. Hein. La LFP propose à plus de 1000 enfants issus de milieux défavorisés d'assister au match de la 34e, 35e et 36e journée de Ligue 2. Très beau geste, bien sûr, hein, de tous les clubs qui se sont mis d'accord hein, pour accueillir des gens tout simplement qui ne peuvent pas se payer une place hein, pour aller regarder un match. Quelques photos de Nicolas Anelka à l'époque du côté de Chelsea, l'ancien joueur aussi du PSG. Il a joué dans beaucoup d'équipes, hein. Nicolas Anelka, dont l'équipe de Chelsea, PSG et aussi le Real Madrid, même si c'est pas le maillot du Real. Voilà, c'est on va dire un survêt d'Adidas blanc. Ça fait penser au Real Madrid. Et on va parler, les gars, on va finir en plus cet épisode aujourd'hui avec le Real Madrid. James Rodriguez au Real Madrid, c'était quelque chose, ce joueur, hein, bien sûr. James, cet ancien numéro 16 hein, du côté du Real Madrid, ancien joueur. Comment dire, de l'AS Monaco. Donc il avait très bien démarré, puis après ça a été un peu plus compliqué, puis du coup après il avait dû quitter le club. Donc actuellement je crois qu'il joue je crois au Qatar, hein. je crois James Rodriguez. Dani Ceballos, les gars, il a impressionné Carlo Ancelotti lors du dernier match du Real, la victoire 3 contre Osasuna. Non seulement il a été très bon avant-hier, mais en plus le coach du Real apprécie son humilité au quotidien. Il arrive souvent en premier à l'entraînement et repart dans les derniers. Mais le problème c'est qu'Ancelotti le fait très peu jouer. C'est vrai qu'il a commencé titulaire avant-hier, mais la dernière fois qu'il a joué, ça date. Hein. Pourtant voilà, c'est vraiment quelqu'un d'assidu à l'entraînement, tout ça, mais voilà, il lui donne très peu sa chance, et pourtant il a été très très bon avant-hier. Lui aussi, les gars, il a été très très bon. C'est Rodrigo qui a disputé son 100e match avec le Real Madrid à ses stades depuis son arrivée en 2019. 13 buts et 16 passes D pour Rodrigo, qui a marqué en plus des buts très importants là ces derniers jours. Je pense contre Chelsea en Ligue des Champions, le but du 3-1, voilà, qui a permis au Real Madrid d'aller en prolongation avant que Benzema, bien sûr, inscrive le but de la qualif. David Alaba sur Benzema, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat en ce moment. C'est le meilleur 9 du monde. Ce qu'il fait cette saison est fou. Il était déjà un joueur de classe mondiale, mais il a décidé d'aller encore plus loin. Voilà le bel hommage tout simplement de David Alaba envers l'attaquant français. Regardez les futurs matchs du Real Madrid. Donc ce week-end, aucun match pour le Real Madrid. Le prochain match, ça sera un match de Ligue des Champions mardi avec le déplacement du côté de Manchester City. Un énorme choc avant de recevoir l'Espagnol. Puis après, ça sera le match retour de nouveau hein, contre Manchester City. Et après, déplacement à l'Atlético, peut-être le match du titre du championnat espagnol. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, une info sur Isco qui a fêté, c'était hier, hein, ses 30 ans, je l'avais dit. Donc les supporters d'Osasuna, donc avant-hier, n'ont pas été tendres avec le madrilène Isco avant-hier. Ils ont chanté Isco Burger King pendant son échauffement. Quel gâchis ce joueur, hein, parce qu'il a pris un peu de poids, Isco. Et du coup, pour le détruire en gros, hein, parce que c'est pas très intelligent. Et pour le chambrer surtout, ils ont dit ça, voilà, Isco Burger King, donc par rapport à sa prise de poids. Donc voilà, une petite info hein, concernant le joueur Isco. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.